faut monter. Ils n'ont pas le micro sans fil. Il faut monter ici. Merci. Nous nous tenons debout pour recevoir Son Excellence, Monsieur le ministre national de l'Industrie, représentant personnel du chef de l'État. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Merci, veuillez vous asseoir. Test. Excellence, Monsieur le ministre national à l'industrie et développement des petites et moyennes entreprises, représentant personnel du chef de l'État et président de la République, avec votre autorisation, nous allons demander à toute l'assistance de se mettre debout pour l'exécution des hymnes nationaux. Nous commençons par l'hymne national congolais. Dime-le, c'est là.
national de la Chine. Merci, veuillez vous asseoir. Excellences, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, représentants personnels du chef de l'État et président de la République. Leur Excellence, Monsieur le ministre national des Mines, de l'agriculture, de portefeuille. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kassai-Oriental, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo, Leur Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Grand Kassai, le Mami Sankourou Kassai et Kassai Central, honorables sénateurs et députés nationaux présents en Boujoumaï, honorable président de l'Assemblée provinciale du Kassai-Oriental, monsieur le vice-gouverneur du Kassai-Oriental, honorable député provincial élu du Kassai-Oriental, messieurs les membres du gouvernement du Kassai-Oriental, messieurs les membres du comité provincial du Kassai-Oriental, messieurs les PCA de l'entreprise MIPA, monsieur le directeur général de la société WIH Kassai Cement SAS, monsieur le coordinateur de la SACIM, le directeur des entreprises étatiques para-étatiques, monsieur l'administrateur du territoire de Katanda, distingués invités à vos titres, préséance protocolaire respectée. Excellence, nous sommes en ces lieux pour la cérémonie officielle de la pose de la première pierre pour la construction de la cimenterie de Katanda au Kassai-Oriental. Une cérémonie qui sera faite en symbiose avec la culture chinoise, parce qu'à la place de poser la première pierre, on va procéder à une cérémonie dans la culture chinoise. Excellence, avec votre autorisation, voici comment se présente le programme de cette cérémonie. Nous allons inviter Monsieur l'administrateur du territoire de Katanda pour ce mot de bienvenue. Nous allons écouter les explications techniques par l'ingénieur de la société WIH Kassai Cement SAS. Nous allons écouter les mots du PCA de la MIBA. Nous allons écouter les mots du PDG de la société WIH Kassai Cement SAS. Nous allons écouter les discours de son excellence monsieur le gouverneur de la province du Kassai Oriental. Et enfin, ça sera l'adresse de son excellence, monsieur le ministre de l'Industrie, qui est le représentant personnel du chef de l'État. Avec votre autorisation, excellence, nous invitons monsieur l'administrateur du territoire de Katanda pour le mot de bienvenue. Messieurs
le vice-premier ministre, ministre de l'Industrie, du Développement des petites et moyennes entreprises et représentant personnel du chef de l'État. Excellences, Monsieur le vice-premier ministre, ministre national de la Défense et des gardes du Sceau empêchés. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental. Son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental. Leurs Excellences, Monsieur le gouverneur des provinces de l'Omami, Sankuru, Kasaï, Kasaï central. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de la Chine en RDC. Honorables députés nationaux et sénateurs. Honorables députés provinciaux. Messieurs et dames, membres du gouvernement provincial du Kasaï oriental. Messieurs et dames, membres du comité provincial de sécurité du Kasaï oriental. Messieurs et dames, membres du cabinet de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces du Kasaï oriental. Monsieur le directeur général de la société Y Kasaï Cement SAS. Monsieur le PCA de la société minière de Bakwanga, Miba en cycle. Monsieur le DG de la société minière de Bakwanga, Miba en cycle. Messieurs les membres du conseil d'administration de la société minière de Bakwanga, Miba en cycle. Messieurs les coordonnateurs de la société Anoui, Congo d'investissement minier au Congo, Sassim en cycle, empêché. Messieurs les directeurs des entreprises étatiques et para-étatiques. Messieurs et dames, chefs de division des administrations publiques. Messieurs et dames, chef de secteur du territoire de Katanda. Messieurs les chefs de groupement du territoire de Katanda. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Au nom de la population de Katanda et au mien propre, je vous souhaite tous la bienvenue dans ma juridiction. Messieurs et dames, très chers compatriotes, j'ai l'honneur et l'immense joie en ce jour mémorable et historique où nous sommes réunis pour la cérémonie de la pose de la première pierre, marquant ainsi le début des travaux de construction et d'exploitation de la cimenterie de Katanda. Avant toute chose, mon propos introductif serait celui de rendre un vibrant hommage le plus déférent au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort dans le cadre de développement des différentes entités territoriales en général et celui du territoire de Katanda en particulier. Messieurs et dames, notre pays est compté parmi les pays les plus riches du monde, en sol et sous-sol. Malheureusement, sa population est et demeure toujours pauvre. Mais avec l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le narratif a changé, car il se bat nuit et jour pour la création des emplois au peuple congolais en général, et aujourd'hui le peuple Katandé en est bénéficiaire à titre particulier. Ceci, dans la vision d'une réduction sensible du taux de la pauvreté et du chômage dans ces coins. Messieurs et dames, très chers compatriotes, la preuve, c'est cette pose de la première pierre que nous allons tous vivre d'un moment à l'autre, qui démontre la volonté ferme et la détermination du chef de l'État, le gouvernement central et provincial du Kasaï oriental, qui se battent à tout prix pour l'amélioration des conditions de vie de la population sans difficulté aucune. Cette cimenterie regorgera à son sein un très grand nombre
des travailleurs qui ne viendront pas seulement du territoire de Katanda, mais qui viendront également dans tous les coins de notre pays en vue de mutualiser les expériences pour le bien-être et le développement de notre cher territoire. Messieurs et dames, très chers compatriotes, à cet effet, je ne saurais clore mon mot de bienvenue sans pour autant remercier de tout cœur toutes les différentes autorités politico-administratives pour leurs implications personnelles dans la matérialisation de ces grands projets. Car hier un rêve, mais aujourd'hui une réalité. Sentez-vous remercier vivement chacun en ce qui les concerne. Messieurs et dames, très chers compatriotes, mon vœu le plus cher pour cette grande œuvre est que chacun s'approprie cette opportunité afin que Katanda puisse parler de lui-même. La paix est plus puissante que la guerre, dit-on. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive la province du Kasaï oriental. Que vive le territoire de Katanda. Que vive la société Y, Kasaï Cement, SAS. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À présent, nous invitons l'ingénieur de la société WIH Kasaï Cement pour les explications techniques. Les explications techniques. Merci. Nous invitons Monsieur le PCA de la Société minière de Bakwanga pour son mot. Bana wabuji mai betu abwe betu kabiji chena muba bimpeto betu abwe tuasa kida biabui fulakulusa bwalu chiduba chabin chichi sama nike bamanga mais je crois que demain j'aurai ça analengo moyanyu. Allo Kedi Mena, Moyanyu, Mujanwe, Mujanwe. Monsieur le ministre de l'Industrie et de Petites et Moyennes Entreprises, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre de Mines, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale, Monsieur le Gouverneur et vos collègues du Grand Kasaï, Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée provinciale,
et surtout nos députés nationaux qui se sont déplacés pour cette raison de Kinshasa jusque chez nous à Boujimaï. Nous sommes particulièrement heureux de nous retrouver sur ce site où va se dérouler la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction d'une cimenterie œuvrant pour la société WAH Ciment Kasaï SA. D'aucuns pouvaient se demander que vient faire l'AMIBA dans la construction de cette cimenterie qui, du reste, est une première dans l'histoire du Grand Kasaï. La réponse à cette question repose sur un double objectif. Primo, la détermination affichée par l'actuelle équipe dirigeante de l'AMIBA, à l'occurrence son conseil d'administration et sa direction générale, d'appliquer à la lettre les instructions reçues de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, en nous désignant à nos fonctions respectives, nous a assigné l'imposante tâche de faire participer la MIBA au développement social et économique de l'espace Grand Kasaï. Secondo, l'obligation pour la MIBA de respecter les dispositions du code minier de notre pays qui impose aux entreprises minières le devoir de réaliser des projets de développement socio-économique pour les communautés locales. Pour revenir à l'objectif premier, il est important de souligner que dans sa vision, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, affectueusement appelé Béton, a, qui nous réitérons nos hommages le plus déférents, l'AMIBA, autre son objectif social, qui est la production et la commercialisation du diamant, doit jouer un rôle de premier plan dans l'essor économique et social des 5 provinces issues du découpage du Grand Kasaï. C'est dans ce contexte que s'inscrit la présence de l'AMIBA dans ce projet de construction de la cimenterie dont la première pierre sera posée tout à l'heure. Notre contribution consistera à fournir à cette usine 20 MW sur le 30 que va produire la nouvelle centrale hydroélectrique de Tchala 2, que va bientôt construire la société Super Énergie, partenaire de l'AMIBA. Les 10 MW restants seront destinés aux unités de production de l'AMIBA, ainsi qu'à l'alimentation électrique de la ville de Boujimaï, qui en a tant besoin. Nous contribuerons donc par ce fait à l'économie de notre espace car avec le ciment qui sera produit sur ce site, il se développera une activité de production à moindre coût, des infrastructures dont les mobiliers, les routes, les ponts, pour ne citer que ça. Tout ceci rentre également dans le cadre de la diversification de l'économie nationale, l'un des 6 piliers du programme quinquennal de son Excellence Monsieur le Président de la République pour son second mandat. Quant au second motif de la présence de l'AMIBA, le code minier de la République démocratique du Congo stipule, nous citons, sans préjudice des dispositions des articles 212, 213, 214 et 242 alinéa 2 du présent code, le titulaire de droits miniers d'exploitation de carrières permanentes est tenu de contribuer durant la période de son projet à la définition et à la réalisation des projets socio-économiques et industriels des communautés locales affectées par les activités du projet sur base d'un cahier de charges pour l'amélioration des conditions de vie des dites communautés. Fin de citation.
en fournissant de l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement de cette cimenterie, la MIBA participe de manière indirecte mais décisive au développement socio-économique de notre communauté locale, affectée par ces activités tant nécessaires pour les populations environnantes et même lointaines, pour améliorer de manière tout à fait remarquable son habitat en construisant des maisons en matériaux durables. Vu l'importance de l'opacité et de certaines circonstances indépendantes de mon gré, je voudrais ici dégager l'inadéquation de l'optimisation pour vous dire merci à votre attention particulière. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci. Nous invitons à présent Monsieur le PDG de la société IH Kasaï Cement pour son mot.尊敬的国家工业及中小企业发展部部长，国家矿业探清能源部部长阁下，国家农业部部长阁下，国家内政安全地方分权和习俗事务部副部长阁下，东海省。 省长阁下，东海省议会议长，中国驻刚果民主共和国特命全权大使阁下，国家议员和参议员、省议员，一把董事长先生，一把董事会成员，各位来宾。 各位朋友、女士们、先生们，大家好。 Son Excellence Monsieur le Ministre National de l'Industrie et Développement des Petites et Moyennes Entreprises, représentant personnel de chef de l'État. Son Excellence Monsieur le Ministre National des Mines et Hydrocarbures. Son Excellence Monsieur le Ministre National de l'Agriculture. Son Excellence Madame le vice-ministre national de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï Oriental. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï Oriental. Son Excellence Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo. Leur Excellence, Messieurs les gouverneurs de province de Lomami, Sakuru, Kasaï et Kasaï Central, honorables députés nationaux et sénateurs, honorables députés provinciaux, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Société minière de Pakawanga, Messieurs les membres
du conseil d'administration de la société minière Tepakwanga, MIPA en cycle. Distingués invités à vos titres, qualités respectives, bonjour. Très 隆重举行西部国际控股开采水泥检疫有限公司年产120万吨新型干发水泥生产线项目建基仪式。我们非常荣幸地能够邀请到各位部长、省长阁下、中国驻刚果民主共和国大使阁下及政府部门各界代表 及媒体朋友们的到来，共同见证这一重要的历史时刻，我们感到非常荣幸和高兴。在此，我谨代表西部水泥及西部国际控股，向各位领导及来宾致以诚挚的问候和衷心的感谢。 Nous sommes réunis dans la ville de Mupujimai pour célébrer la cérémonie de pose de la première pierre du projet d'une nouvelle unité de production avec le nouveau procédé à sec de ciment d'une capacité annuelle de 1,2 million de tonnes et un projet de centrale hydroélectrique de 30 MW de WIH Kaisei Siemens SAS. Et c'est un grand honneur pour nous de pouvoir inviter Son Excellence le ministre, les gouverneurs, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, les représentants des services étatiques et des différents domaines, ainsi que les amis des médias pour participer et ensemble à ce moment historique important, et nous nous sentons très honorés et heureux. Au nom de West China Cement et de West International Holding, je voudrais adresser mes meilleures salutations et mes remerciements les plus sincères à tous les dirigeants et à tous les invités. 近年来，刚果国家经济稳定增长，基础设施建设逐步加快，水泥需求旺盛，因此，西部水泥依托资深30余年水泥产业生产运营管理经验，携手金城建设股份有限公司共同投资建设 西部国际控股开采水泥检疫有限公司，致力打造出一家刚果金中部地区领先的建筑材料、制造、物流和服务公司，以填补当地水泥建材市场空白，为刚果国家基础建设发展增添新的功能。 Ces dernières années, l'économie nationale de la RDC a connu une croissance stable. La construction d'infrastructures nationales a continué à être promue et la demande de ciment est forte. Par conséquent, West China Cement s'appuie sur sa propre expérience de plus de 30 ans dans l'exploitation et la gestion de l'industrie du ciment, s'est associé à Golden Construction Holding Limited pour investir conjointement dans la création de WIH Kaisei Siemens SAS. Il s'engage à devenir une entreprise de premier plan dans la fabrication des matériaux de construction, la logistique et les services dans la région centrale de la RDC. L'objectif de la société est de combler les lacunes du marché local, du ciment et des matériaux de construction et de donner un nouveau élan au développement de l'infrastructure nationale en RDC. 西部国际控股集团隶属于香港上市公司西部水泥，股票代码 02233， 是一家专业化国际水泥生产制造供应商，目前在全球20个国家建设有水泥、石灰、骨料、钢坯、装配式建筑、玻璃、石膏板等产业，水泥产能3500万吨。 在非洲有刚果金、莫桑比克、埃塞俄比亚、肯尼亚、安哥拉、乌干达等国家建设有水泥工厂，在埃塞俄比亚建设一条日产1万吨熟料水泥生产线。
本月烟火投产，西部国际控股凭借其专业化能力，与各界合作伙伴开创更多的辉煌。 Western International Holding Group, subordonné à la société cotée en bourse de Hong Kong, West China Cement, code boursier 02233, est un fournisseur et fabricant international spécialisé dans la production et la fabrication de ciment, qui a actuellement des usines de ciment, de chaux, d'agrégats, de bétons, de bâtiments préfabriqués, de baies vitrées, de plaques de gypse et d'autres industries dans 20 pays à travers le monde. La capacité de production de ciment atteint 35 millions de tonnes et des cimenteries sont implantées en Afrique, notamment en RDC, au Mozambique, en Éthiopie, au Kenya, en Angola et en Ouganda, etc. Une unité de production de ciment clinker d'une capacité journalière de 10 000 tonnes a été allumée et mise en service en Éthiopie ce mois-ci. Grâce à ces efforts spécialisés, West International Holding s'efforce de créer un avenir plus brillant avec des partenaires de tous horizons. 西部国际控股开采水泥检疫有限公司计划建设一条年产120万吨的新型干发水泥生产线和30兆瓦水利发电项目，总投资约4亿美元，项目将分期进行，一期建设30万吨水泥，将于2026年投产。该项目以智能化、 环保化、科技化为核心特色，充分利用东开塞省及中部地区的资源优势，借助世界先进水平的设计和技术实力，精工细作，努力打造出一座先进制造、智能制造、绿色制造的花园式工厂。 WIH Kaisei Cement SAS construira une nouvelle unité de production avec le nouveau procédé à sec de ciment d'une capacité annuelle de 1,2 million de tonnes et un projet de centrale hydroélectrique de 30 MW, avec un investissement total d'environ 400 millions de dollars américains. Le projet sera réalisé en plusieurs phases. La première phase de construction pour l'unité de 300 000 tonnes de ciment sera mise en service en 2026. Le projet aura pour caractéristique principale l'intelligence, le respect de l'environnement et la technologie. Exploitera pleinement les avantages des ressources du Kaisei oriental et de la région centrale. S'appuiera sur le nouveau mondial avancé de la conception et de la capacité technologique et construira une usine de type jardin de fabrication avancée, intelligente et verte. 下一步，我们将积极与各级政府单位开展友好合作，严格遵守各项法律法规，并制定详细周密的施工计划，同总包单位一道钉诚协作，推动项目建设。本项目全面建成运营后，将提供超1000个直接就业岗位。 和上下游超过5000个间接就业岗位，同时，我们也将积极参与并履行社会责任，推动当地社区发展，贡献企业应有的力量。Dans l'étape suivante, nous mènerons activement une coopération amicale avec les services étatiques à tous les niveaux. Nous respectons strictement les lois et règlements et nous élaborerons également un plan de construction détaillé et raffiné. En collaboration avec le maître d'œuvre, ensemble, nous favorisons activement la construction du projet. Une fois que le projet sera pleinement opérationnel, il créera plus de 1000 emplois directs et plus de 5000 emplois indirects en amont et en aval du secteur. En outre, nous nous acquitterons activement de notre responsabilité sociétale en encourageant le développement des communautés locales et en apportant la capacité nécessaire de la société. 今朝云影无限好，来日开赛更光明。
此次奠基仪式标志着西部水泥与刚果政府合作进一步深化。我相信在共和国总统国家元首菲利克斯·安托万·齐塞克迪·齐隆博总统阁下的带领下，在各位部长、招宾大使以及各级政府领导、客户朋友的帮助和支持下，项目一定能够如期投产，为中部地区社会经济高质量发展做出强有力的贡献。Le paysage d'aujourd'hui est pittoresque et l'avenir de la province du Kasaï est plein de lumière. Je suis convaincu que sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et avec le soutien de son Excellence le ministre, l'ambassadeur Zhao Bing et des dirigeants du gouvernement à tous les niveaux, des clients et des amis, le projet pourra être mis en production dans les délais prévus et apportera une contribution importante au développement socio-économique de haute qualité de la région centrale de la République démocratique du Congo. 最后，预奏开塞水泥项目奠基仪式取得圆满成功，祝福各位领导和朋友们工作顺利，万事如意，谢谢大家。Et à la fin, je souhaite à la cérémonie de pose de la première pierre du projet de ciment de Kasaï un succès total et je vous souhaite à vous tous tous les meilleurs. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes chez nous au Kasaï Oriental. J'invite un groupe qui joue rapidement avec les xylophones, les groupes de la Sainte-Marie, quelque chose rapidement là. Trois minutes, avant d'inviter l'autorité. 3 minutes rapidement. Qu'on leur donne le micro rapidement. Donnez le micro. Essaye. Nangeyo ye mnanga wanyi we mnanga yo ye kondukani kamoyo. Nanga katu ya kwetu mnanga wanyi we tukajabi jabi lale kondukani kamoyo. Bokwe machivoni mba munanga wanyi we chakangi mbishanji kenge kondu kanyi kamoyo. Nange yo ye mnanga wanyi we mnanga ye kele kele kondu kanyi kamoyo. Ye kele kele sendo abowa. Sendawanyi. Nga kushijuku mwabakayi, sendo abowa. Njalele ungapanyi, nkasu ngapanyi bisui. Lelu ngapanyi, miele ya kusola na imetu. Inganyu wanji minabibande. Nganyu wanji shilaba lumane baka shibamu kongu mulenga. Nganyu wanji shilaba na sendawanyi sende.
Iye kele kele senda bo wa senda wa bo wa ni senda bo wa senda wa bo wa ni senda bo wa senda wa bo wa ni bena kongu teleja iwa bo wa ni bena kongu teleja iwa bo wa ni jibaja kani jakui baka wa bo wa ni kongu wetu nimbu pola wa bo wa ni mubo bumane bwa kana wa bo wa ni wa bo wa ni senda wa bo wa ni. Senda wa bo wa ni 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 wa bo wa ni senda wa bo wa ni senda wa bo wa ni wa bo wa ni wa bo wa ni senda wa bo wa ni belele 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 imbombo yoyo ye jiti ya wanyi wa kwa mukeba wakaye mwena lwendulu akubande kukweka nenjila yoyo yuwe mbombo wavadi masang chimonu chamba kutu. Badimi amukalundu kusamba kane badimi amukalundu kusamba kana neji iyujiti ya wanyi wakwa mukeba wakaye mwena lwendu lwakubande kukweka njila yoyo yuwe bombe wafanyi masanti mwana. Tatu kutuji mwela chena mubenga, tatu kutuji mwela chena mubenga vaya. Iyo jiti ya wanyi wapa mukeba wakai. Mwela lendulu wakubande kukweka nishila yoyo yue. Bombwe wafaji masanchi mwono chamba. Mwimana kungala jita kunkupe mema mwimana kungala jita kunkupa mushwa iyu jiti ya wanyi wakwa mukeba wakai mwena lendu lwakubande kukweta nishila yoyo yuwe bombwe wafaji masanchi mwono chamba kutu. Wakubila mutume, ah, katena wakubila mutuma mukane. Wakubila mutume, katena wakubila mutuma. Mwale tumba jile, katena mwale tumba jila mukane. Mwale tumba jile, katena mwale tumba jila mukane. Mai wakalunga lwendwe, mai na shabutu kuhuya ya kwawe. Mai wa kalunga lende mai na kusukuya na kwawe yo yo yi mamu wa balele yo yo yi mamu we wa mamu yo yo yi mamu wa balele wa mamu yo yo yi mamu wa balele. Wa mamu yoyo. Ndita wa
Merci, merci, nous acclamons très fort. Ça, c'est la culture de chez nous. Nous acclamons très fort. Acclamons très fort. Ça, c'est le xylophone de chez nous. Nous voulons, avec tout respect, inviter à présent Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Kasaï Oriental, qui est le chef de terre du Kasaï Oriental. Excellences, Monsieur le ministre de l'Industrie et représentant personnel du chef de l'État. Excellences, Madame la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Leurs Excellences, Monsieur le ministre national présent au Kasaï Oriental. Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo. Leurs Excellences, Monsieur les gouverneurs de province de Lomami et Sankourou, les autres ne sont pas présents. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï Oriental, honorable sénateur et député nationaux présents au Kasaï Oriental, monsieur le vice-gouverneur, honorable député provinciaux élus de Katanda, mesdames, messieurs les membres du gouvernement provincial, madame et messieurs les membres du comité provincial de sécurité, mesdames et messieurs les membres du cabinet du gouverneur, monsieur le directeur général de la société West International Holding, Kasaï Cement SAS, monsieur le PCA de la minière de Bakwanga SA, monsieur le coordonnateur de la SACIM, monsieur le directeur des entreprises étatiques et para-étatiques, monsieur l'administrateur du territoire de Katanda, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. Nos cœurs débordent de joie ce jour où nous nous retrouvons en ces lieux pour la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de la cimenterie de la société West International Holding Kasaï Cement SAS. Il est obligatoire pour moi de rendre hommage à l'Éternel Dieu qui a permis la tenue de cette grande manifestation. Je rends mes hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, dont la question du développement de la République démocratique du Congo en général et de l'espace Grand Kasaï en particulier constitue sa principale préoccupation. Grâce à son management hors du commun, il a renégocié le contrat sino-congolais avec son homologue chinois afin qu'il soit juste, équitable et mutuellement bénéfique. Permettez-moi de remercier le groupe chinois West International Holding Cement Industry, partenaire technique et financier de ce projet,
qui sera le véritable symbole du développement de la région. En effet, le ciment constitue l'ingrédient basique de l'industrie de construction et le calcaire qui en est la source est le minerai fondamental de développement. L'avoir comme richesse dans notre province est une fierté en ce qu'il permettra aux filles et fils du Kassa oriental de construire leur province. Grâce à la concrétisation de ce projet de construction de la cimenterie West International Welding Cement SAS, nous pourrons répondre à la demande croissante en matériaux de construction, soutenir les projets d'infrastructure et participer activement à la modernisation de notre pays et de l'espace Grand Kassai. Sur le plan économique, cette cimenterie est bénéfique en ce qu'elle créera plus de 500 emplois directs et indirects, offrant ainsi des opportunités aux populations locales et contribuera à la réduction du taux de chômage. Sur le plan social, cette cimenterie favorisera le développement des compétences et le transfert des technologies tout en stimulant l'activité économique dans les secteurs connexes. Je suis tout aussi ravi que cette première cimenterie du Kassa oriental dispose dans son volet énergie la réhabilitation des turbines du barrage de Tchala et la construction d'une centrale hydroélectrique. Ceci sera alors important dans la mesure où elle permettra d'ouvrir une page de l'industrie sidérurgique qui a échappé à la République démocratique du Congo depuis belle lurette. Mesdames et messieurs, chers partenaires, la province de Kassa Oriental que je dirige est la plus petite de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Elle a un sous-sol immensément riche, non encore exploité ou encore en partie exploité. Paradoxalement, elle est la moins développée sur plusieurs plans. À cet effet, je vous rassure que les portes du Kassa oriental sont grandement ouvertes pour vous tous. Venez et investissez dans tous les domaines. L'agriculture, les mines, l'énergie, les infrastructures et bien d'autres. Avec le climat des affaires assaini, je vous garantis que vous ne regretterez pas d'avoir choisi ma province pour y investir. Pour ce qui est de la cimenterie West International Holding Kassai Cement SAS, mon vœu le plus ardent est de l'avoir constitué un modèle en matière de responsabilité environnementale. Conscient des défis écologiques auxquels nous faisons face, je vous invite d'intégrer les meilleures pratiques en matière de respect de l'environnement et d'efficacité énergétique. J'invite donc la population du Kassa oriental en général et des Katanda en particulier de s'approprier ce projet en protégeant cet investissement. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kassai oriental, que vive la cimenterie West International Holding Cement SAS, et je vous remercie. Merci. Merci, merci. Toi, c'est qui dit là. Toi, c'est qui dit là, bien. Avec tout respect, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie de petites et moyennes entreprises, représentants personnels du chef de l'État, nous vous prions de prendre la parole pour votre adresse.
bana bakatanda betwabu honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement central, excellences monsieur l'ambassadeur de Chine en RDC, monsieur le président de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, monsieur le gouverneur de province, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial, monsieur le PCA de Namiba, messieurs les administrateurs de Namiba, monsieur le directeur général de Namiba, monsieur le directeur général de West International Holding Kasai Cement, mesdames et messieurs, tout protocole observé, distingués invités, grande est ma joie d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à cet événement marquant l'histoire de l'industrialisation de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Mes premiers mots de remerciement sont adressés à Dieu, le Père qui a doté notre pays de femmes et d'hommes capables de mettre à profit leurs précieux talents pour le développement de notre nation. J'exprime également ma gratitude à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour son choix porté sur ma personne pour être à la tête du ministère de l'Industrie et du développement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries, et pour le représenter à cette importante cérémonie. Je remercie également Son Excellence Madame la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka pour son leadership avisé dans la réalisation du plan d'action gouvernemental. Nos vifs remerciements s'adressent à nos compatriotes de la filiale West International Holding Cement Kasai pour l'initiative de ce projet, avec une mention spéciale aux partenaires chinois à qui le gouvernement de la République exprime sa satisfaction à travers Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de la Chine ici présent. Cet investissement s'inscrit dans le cadre du partenariat privilégié entre nos deux États. C'est donc avec une immense fierté et un profond sentiment de responsabilité que nous nous réunissons aujourd'hui pour marquer une étape décisive dans le développement économique de notre pays. Le lancement de ce projet de cimenterie témoigne de notre engagement commun à bâtir un avenir prospère et durable pour notre nation. Cette cimenterie, fruit d'une vision stratégique, d'une collaboration solide entre les secteurs public et privé, ne se résume pas à une simple infrastructure industrielle. Elle symbolise notre détermination à diversifier notre économie, à renforcer notre autonomie et à répondre aux besoins croissants de nos populations en matière de développement et de modernisation de nos infrastructures de base. Le projet que nous lançons aujourd'hui aura des répercussions majeures sur l'économie nationale. En effet, la création de cette cimenterie, comme l'ont dit mes prédécesseurs, générera des milliers d'emplois directs et indirects, contribuant ainsi à la réduction du taux de chômage et à l'amélioration des conditions de vie de nombreuses familles à travers le pays. Ce projet constitue donc une réponse concrète à notre volonté de créer des opportunités d'emploi pour nos concitoyens, en particulier pour notre jeunesse, qui est le véritable moteur de notre développement. De plus, cette cimenterie participera activement à l'essor économique de notre nation, en réduisant notre dépendance aux importations. Elle renforcera notre balance commerciale et contribuera à la stabilité de notre monnaie, tout en soutenant la croissance d'autres secteurs industriels et de la construction. Mesdames et messieurs, distingués invités,
Le lancement de cette cimenterie est un motif d'espoir pour toutes les provinces situées dans le corridor Luanda, Mbujimayi, Espace Kasaï. Ce projet incarne la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, de voir notre nation prospérer, de créer des opportunités pour tous et de bâtir un avenir meilleur. C'est la preuve que lorsque nous travaillons ensemble avec détermination, nous pouvons transformer nos rêves en réalité et faire de nos provinces un véritable moteur de développement pour toute la nation. Unis autour du chef de l'État, nous bâtissons aujourd'hui les fondations d'un avenir meilleur pour notre pays et nous posons le socle d'une prospérité partagée, d'une stabilité renforcée et d'un développement économique inclusif. Avant de clore mon propos, en regardant autour de moi, je vois une grande jeunesse, une population en majorité jeune. J'aimerais dire à cette jeunesse ceci. C'est une sagesse qui vient d'un proverbe africain qui dit ceci. Construis ton pays. Développe ton pays. Et prie pour ton pays. Car il n'y a aucun étranger, ni personne d'autre qui le fera à ta place. Je vous remercie. Excellence, avec votre autorisation, nous voulons passer à l'essentiel de cette cérémonie. Dans le programme, nous avons parlé de la pose de la première pierre, mais nous allons le faire à la manière chinoise. Nous avons des bêches devant nous. Nous allons inviter son Excellence qui représente le chef de l'État. Il viendra à ce lieu avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province de Kassai-Orientale. Son Excellence, donc leur Excellence, le ministre national, le PCA de la MIBA, son Excellence l'ambassadeur, ils vont descendre ici au milieu pour cette cérémonie. Nous les invitons à descendre, donc la première rangée, la rangée VIP dans la tribune. Ils descendent pour faire une cérémonie à la chinoise de pose de la première pierre en utilisant des bûches avec des sables qui se trouvent en ce lieu-là pour verser le sable et montrer que c'est le début des travaux de la construction. Pendant qu'ils descendent, nous acclamons très fort la construction de la cimenterie dans les grands Kassai. Balboa, ciment, Moukassai, Zubalboukola, Bangoumoussoum, Batidilamouadj, Pingéou, Pidi, Pimouana, Mouchoumbi, Dibibaka, Oulamidinoui, Yakoua, Sega, Tchamouchoum, Tchikitian, Ciment, Moukassai, Oriental. Donc c'est une manière chinoise de faire la cérémonie. Oui, honorable président de l'Assemblée provinciale, venez aussi. Chacun prend sa bêche. Prenez vos bêches. Prenez vos bêches pour lancer ces travaux. Nous avons beaucoup. Bikashi baraba mukatanda barimo wata ku mijimu yabe bikashi mijimu yato ajiji mijimu yasima bikashi bikona bikashi mijimu yasima yato ajiji mukura kasai batumana magusumba sima ku mishiwa muteketa bato asa izubuye yetu to asa injila yasima mukasai oriental mukasai central mukasai chikapa kusankuru nikure mami. Tanto bom assim, sumba assim, não.
Merci. Merci beaucoup. Les banques ne sont pas beaucoup mieux. Mais ils ne sont pas encore à la publication. Tout le monde tient le chien. Même le chef de terre tient aussi les bêches pour montrer que tous les chefs de cette contrée sont d'accord avec la construction de la cimenterie ici à Katanda. Nous acclamons très fort pour tous les chefs coutumiers qui sont là. Ils sont en train de montrer leur accord. Les travaux vont se dérouler correctement et bien ici au Kasaï oriental en faveur du Grand Kasaï. Le Grand Kasaï comporte le Sankuru, le Lomami, le Kasaï Chikapa, le Kasaï central et le Kasaï oriental. Notre Bamouane. Bafum Bakabuku Nekala Imatandu, to send the Wata to Amamu, to Asai Kasai Oriental. Because of Bafum Bakabu, nous acclamons ton fort. To send the Wata to Amamu, to Asai Kasai Oriental. To Asai Kasai, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises, représentant personnel du chef de l'État, nous sommes arrivés à la fin de la cérémonie de ce jour. Avec votre autorisation, nous demandons à toute assistance de se tenir debout pour l'exécution des hymnes nationaux. Cette fois, on commence par l'hymne chinoise pour terminer par l'hymne national. Gardons la même position pour permettre aux autorités de quitter la tribune et aller à leur véhicule. Nous sommes dans la même position debout.